bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, frère avec ce moyo, quel que soit côté branché émission ça, nous souhaitons bienvenue. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous la caillou ou la famille, bon Dieu. Nous venons aujourd'hui pour nous passer un très bon moment ensemble, en même temps. À la bon ça, bon, le wap servi, bon Dieu. À la agréable, ça agréable, le wap servi, bon Dieu. Puis bon choix, yon monde qu'a fait dans la ville, c'est relation avec bon Dieu qu'on prend au sérieux. Puis bon choix au café dans la vie aux amis, c'est servir bon Dieu. Parce que pas gain l'autre non qui t'a capable aider au mieux que bon Dieu. Puisque c'est le crio et qui mettait au sous la terre ou doit bon Dieu action de grâce. Chaque jour lever ou au camper ou marcher ou faire activité. Ou même qui cap baler ou même qui gain deux yeux pour garder. Ou même qui sorti ou rentré ou dormir ou lever. En bas grâce Seigneur à marcher. C'est chaque seconde nous doit lever mais nous en l'air pour nous dire merci Seigneur. Chaque seconde. Parce que dans une seconde, il y a pile bagaille qui peut arriver. Imaginez grand toyo monsieur ça qui gagne un contrôle cap diriger avec puissance qui gagne gros armes nucléaires et qui gagne un bouton seulement y a pesé. Et puis, il y a tout détruit une ville. C'est une seconde, ça capable prendre. Il y a même prendre une seconde, mais pour peser un bouton rouge, et puis pour détruire tout ton pays, ou bien tout ton ville, tout ton peuple, agisse avec un douette. Peser douette là. Et puis, boum! Imaginez-nous, frère Maxime, la quantité de fois que l'ennemi a déclaré comment la fin avait pendant une journée, ça. Et que jour d'hier, ou pas fin ouais, une journée, et que bon Dieu lui-même lui dit, c'est moi qui baille. Et si je ne baille, personne ne peut apprendre. Béni soit l'Éternel. Zamim yo. Dans une journée, nous ne savons pas combien d'accidents fait. Dans une journée, nous ne savons pas combien de monde qui traversait, qui allait dans le pays sans chapeau, qui quittait Tessa, qui traversait. Dans une journée, nous ne savons pas combien de monde qui sortit handicapé. Mais monde ça était bien propre. Dans une journée, nous ne savons pas combien de monde qui perdit vision yo. Yo te gen éclat yeux yo te kon wè normal et c'est yon lè ça passé c'est nan yon jour ça arrivé donc ou même bon Dieu fait mille types grâce sa yo parce que c'est pas lè nou grand goût pour nous kon valer manger c'est pas lè nou malade pour nous kon valer la santé c'est pas lè nou coucher dans secœur là pour nous kon comment physique nous lè nou te vivant sous terre a comment le important donc qui t'aime dit non. Mourir, personne ne peut pas empêcher la mort. La mort est pour tout le monde. On l'a quand même pour nous quitter ça. Ou le ministre, ou le président, ou te mette roi, ou te mette tout pouvoir. Ou pas gagner pouvoir sur la mort. Parce que c'est seul Jésus-Christ qui te combat la mort. C'est seul Jésus-Christ qui mourit ressuscité. Seul Jésus-Christ qui défie la mort. Et ça fait Paul dire, ô mort, où est ta victoire? La mort est victoire sur nous toutes, mais sous Jésus, il n'y a pas qu'à avancer. Alléluia. Donc c'est peut-être ça, l'orgue Jésus comme maître, ou l'orgue Jésus comme ami, ou l'orgue Jésus comme et si la cap combattre pour même, même si c'est qu'elle a devine pour ou l'a crasé. Même si ou te getan rentré dans ton bois, il a mette ou dehors, parce que Lazare te getan gen 4 jours dans ton bois. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui vivant et qui a régné sous la vie par Jean-Onel Cristallin, si nous, bah Jésus, la vie, nous, l'a fait des miracles dans la vie, nous. Si nous, bah Jésus, opérer pour nous-mêmes, l'a fait des miracles, mais si au contraire, c'est l'ennemi que nous quittons, qui a dirigé la vie, nous déjà connaissons que c'est notre rôle pour la vie, nous. Jésus-Christ dit dans la parole, parce que nous connaissons Jésus-Christ, c'est la sagesse personnifiée. Li di nan parol li, eske yon aveg, amene yon lot aveg? Ave di, pral, menon nan trou. Ki kote Satan gen pou lale? Nan yon eternite malheureux. Si lap mene yon moun, ou bien si lap mene yon groupe de moun, ki kote lap menel? Lap menel nan eternite malheureux, ke li menm ni prale, se l'alye. Men si se Jezu kap mene nou, nou kone Jezu Kris se la vi, nou kone Jezu Kris se verite, nou kone Jezu Kris se bodeur, donc si c'est lui-même qui a mené nous, dans la gloire, l'a mené nous dans la réussite, l'a mené nous vers la victoire, l'a mené nous vers le bonheur.
Que bon Dieu bénisse nous, amis, qui ont des émissions, qui ont gardé nous là. Que bon Dieu bénisse nous. Je dis à Mbin, vous faites que vous êtes content si vous êtes amis Christ. Si vous êtes pas amis Christ, vous pouvez toujours faire que vous êtes content parce que vous avez espoir pour vous-même. Venez jouer Christ. Venez jouer Christ. Parce que les gens qui mourent sans Christ, ils ont perdu net. Mais les gens qui mourent à cause de Christ, ils vont gagner la vie qui ne va jamais finir. Ils vont gagner l'espoir. Ils vont gagner. Il aura venir meilleur parce que Seigneur il fait projet sur la vie de tout le monde qui accepte lui. Il fait projet sur la vie ou même qui peut accepter mais qui a intention de venir prendre. Donc fais ça. Pas perdre du temps en même, viens prendre crise en même. Parce que je nous vois cancer à frapper là, je nous vois toute qualité maladie à frapper là, je nous vois guerre dans le monde là, je nous vois mon mourir tribord babord accident par n'importe qui façon, c'est un gros vague qui a soufflé et qui prend un pile de monde qui mène dans le séjour des morts. Je ne peux pas empêcher la mort, je dis ça, ou pas empêcher la mort parce que il a déjà. Mais là, nous prenons Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur nous encore, même si nous mourons, nous allons vivre éternellement avec Christ. C'est la vérité. Pas occuper le monde qui a dit la mort, c'est le néant. Pas occuper le monde qui a dit ça. Parce que ce n'est pas vrai, c'est menti. Donc, c'est l'ennemi qui est toujours là pour le bail menti. Et je dis à frère Maxime, mes amis, qui ont suivi l'émission Tasse Café Matinal, je viens encourager pour me dire si on a Christ, rentrez plus fort. Si on a Christ, vous devez être en grain de cloa. Et là, on plante dans le pied, bois ou bien dans la planche. Là. Les matos à frapper, les matos à ces problèmes, ces difficultés. Ils supposent faire rentrer plus fort dans le bois. Les matos à frapper, ils supposent faire rentrer plus fort dans Christ. Donc les problèmes, les difficultés, frapper sur le chemin, ou doit venir plus croyant, ou doit venir plus confiant, ou doit venir plus proche de Christ. Là. Les problèmes sont pour le mettre de l'eau dans le jeu, rien dans ce problème, parce qu'on connaît qui est, ou observé, ou qu'on a qui est, ou marché. Qui problème qui te campé devant Jésus, elle n'est pas capable de résoudre aucun problème. Jésus-Christ n'a pas de problème. Il n'a pas de résoudre. Il te résout tout problème. Puis gros problème, il y a mené par Jésus, c'est la mort. Et bien là, on mené problème Lazare, ben Jésus a dit, Lazare mourit. Jésus-Christ dit, non, c'est pas mourir, c'est dormir, il a dormi. Il a mené petite fille Jairus, là, ben Jésus, comme mourir, comme monde qui mourit. Jésus-Christ dit, non, c'est dormir, il a dormi. Et puis il dit, Kalita koumi, ça veut dire, jeune fille, lève. Et là, il dit, Lazare, sorti. Donc, même mon mourir, t'as décrit Jésus au levé. Ou même qui vivant, ou même qui là, qui peut mourir physiquement, qui t'as décrit ce qu'après l'eau, vini, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je voudrais nous dire pour qui soit fait, qui soit fait. On nous baisse peut-être nous pour nous prier, pour nous rentrer dans le sujet pour aujourd'hui. Nous allons dire au bon Dieu bénissons. Je dis merci à tout le monde qui toujours like, commenter, partager et qui remet l'émission. Parce que je senti dans mieux béni par rapport avec l'émission. On continue à faire travail, Seigneur. On continue à partager. Yon bon tasse café matinal chaque matin. Et bien, son baril a béni dans mon. Bon Dieu béni, on nous prie. Père Saint, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, merci pour force et courage que nous dans la bataille pour nous continuer à bataille. Vous connaissez, Seigneur Dieu, bataille ça va bataille pas nous. Donc, prends un problème, yo, ban nous solution, prends tristesse, nous, ban nous la joie, prends trouble, nous, ban nous calme. Permettre que nous calme, papa. Prends problème, yo, et ban nous yon cœur qui est bien disposé. Permettre que nous vînons plus confiants dans nous-mêmes, plus rassurés dans nous-mêmes. Autant de fois que le problème dure, autant de fois que nous continuons à croire dans nous, faire confiance, nous ne pouvons pas abandonner, Seigneur Dieu. Problème maladie, camper sur le chemin, nous prenons ça, ben nous guérissons le problème qui fait que, Seigneur Dieu, qu'elle nous voulait sauter, à pas quitter qu'elle nous saute. Prends tout le problème, nous. Et ben nous avons un cœur qui est tranquille, parce que c'est vous-même qui ne jamais jouer à problème. Père Saint nous fait appel à vous-même comme plus gros docteur, plus gros avocat, plus gros défenseur. Et c'est vous-même qui premier dans le temps tout, Seigneur Dieu, prends défense nous. Nous remettons tout dossier, nous remettons émission ça. Permettre que nous sommes capables de bénir, permettre que nous apprenions des leçons que vous-même vous avez enseigné nous. Nous remettons tout le bagage. Nous prions ça que nous ne pouvons pas empêcher nous, soit la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amis, nous avons espéré jusqu'à présent où là où Kembe. Kembe dans relation avec mon Dieu, kembe dans foi. Une grande classe pour nous aujourd'hui, il y a une classe pour nous encourager nous parce que nous connaissons quel que soit problème que vous avez, même c'est dans la prière pour aller parce que la prière sont clés universelles. Mais on connaît le problème non? Il y a des gens qui disent prier pour ce gars, il dit pas prier.
Il y a mon tout qui priait, qui vient longtemps depuis à prier, mais prière manquait effet. Et la Bible fait nous connaître que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prière mon qui juste gagne une grande efficacité. Ça veut dire lorsque mon qui droit qui sincère en relation avec mon Dieu, ben prière yo effet yo évident, prière yo gagne effet en même. Prière mon qui droit yo, mon qui pas dans menti, mon qui pas dans hypocrisie, mon qui sincère dans relation avec mon Dieu. L'elle dou son chrétien que lui ou bien dou son chrétienne que lui. C'est ça lié vrai. Ville refléter ça. Ben mon ça ou l'ai prier, prière au grand pile effet. Très efficace. Zanmim yo, jodi a, vle wè ansanm avèk nou, meyè fason pou priye. Meyè fason pou priye, mè pi bon fason pou nou priye bon Dieu. Donc se tit mesaj nou pou jodi a, e se sa nou pral wè ansanm zanmim yo. Paske ou ka priye, men priye ou yo manke fòs. Ou ka priye, men priye ou yo manke jèvren, yo manke pwisan. Ok, sou pou onti zanm beta ou tire, li pa ka tire ou mouch. Onti zanm beta la fè bri. Men sou pran un bon zanm, ou bien un bon misil, un bon... Il a fait gros effet. Donc, prière nous, yo, yo capable de faire ça. Il y a des gens qui ont pétard à tirer. Pétard, ça veut dire prière n'a pas effet. Donc, vous pouvez prier en pile, ou prier souvent, ou prier long, mais il manque effet. Quand on va regarder qui j'en prie, capable vraiment efficace. Premièrement, nous disons que la parole la fait nous connaître que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire lorsqu'on monde qui attaché à la prière, mais on son monde qui juste prière efficace en pile. Ça veut dire ça son bagage qu'on besoin veiller parce que son monde qui aime prier, mais on pas joindre effet dans prière, il faut veiller est-ce que ou son monde qui juste, est-ce qu'on sincère dans relation avec bon Dieu. Ça veut dire à contrôler relation avec bon Dieu pour un côté lié. OK, on regarde pour nous. Si vous voulez prier les puissants, mais il y a un bagage qu'on a besoin très important, c'est confiance. Lors prier, on a besoin de prier avec confiance. Prier pas marcher sans confiance. Parce que il y a des gens qui ont prié avec doute. Hey, si c'est avec doute qu'on prier, prier n'a pas gain effet. M'a dit ça encore. Si c'est avec doute qu'on prier, prier n'a pas gain effet. Par exemple, si vous avez des gens qui face à la mort, vous n'avez presque mouru, ou bien vous avez des gens qui sont malades très graves, mais vous sentez que ça avez mouru, ou dis-moi si vous avez un autre problème quelconque. Le problème, ça a commencé à faire que vous sautez, vous paniquez, vous tremblez. Et là, elle prie, ou elle prie avec tremblement. Oh, bon Dieu, papa, mais on va trembler. Prier, ça, c'est que, il manquait puissant parce que, ou plus quoi dans le problème, moins, quand t'as quoi dans la puissance, bon Dieu, qui est capable d'éliminer le problème, moins. On a regardé pour nous. Non, première écriture que nous parlons ensemble, amis mieux, écriture ça, c'est dans Matthieu chapitre 21, verset 22, qui ça le dit. Si nous avons confiance dans bon Dieu, nous allons recevoir. Tout ça n'a pas demandé, l'un n'a pas prié. Si nous avons confiance dans bon Dieu, nous allons recevoir tout ça n'a pas demandé, l'un n'a pas prié. Je veux dire confiance. Répétez-moi ça. Confiance. Zanmim, vous êtes capable de répéter ça. Confiance dans bon Dieu. Confiez-vous dans bon Dieu. Répétez ça. Moi, j'ai confiance dans bon Dieu. Que problème, moi, hein? Bon Dieu, a une solution avec. Donc, écriture, fait nous connaître dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Si nous avons confiance dans bon Dieu, nous allons recevoir tout ça dans le monde, nous allons prier. Je ne sais pas si bon Dieu, mais si vous n'avez pas recevoir ce qu'on a bon Dieu, eh bien, vous avez un problème de confiance. Vous avez un checker problème de confiance. Ok, j'ai mis une bonne écriture que je devais garder ensemble avec vous. C'est dans Jacques, c'est dans Marc, pardon, c'est dans Marc chapitre. C'est dans Marc chapitre 11. Livre Maclan, c'est Marc chapitre 11, verset 22 pour y venir dans verset 25. Qui ça le dit? Marc chapitre 11, verset 22 pour y venir dans verset 25. Mais qui ça va le dire? Il dit, Jésus prend la parole. Il dit, oh, c'est pour nous toujours gain confiance dans bon Dieu. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Si yon moun di moun sa, ou te kou la, al jete ou nan la mer, s'il pa gen doutans nan kel mem, s'il gen fem conviction, sal di a gen pou rive, la wè li rive vri. Se pou sa mwen di nou, tout sa nap mande le nap la priye, si nou gen fem conviction, nou resevwal deja,
Eh bien, na wè sa rive vrai. Verset 25. Lè nou kampe pou nou la priye, si nou genyon moun nan ke nou, pardonnel pou papa nou ki nan siel la, pardonnel peche nou yo. Tande bien? Li di, nou bezwen gen konfians lè nan la priye ke sa nan mandi a nou deja jwenni et puis nan wè li realize vrai. Donc, si pendant vous priez ou bien vous demandez mon aide de prier et que vous pensez que ça vous demande à li cap arriver, li pas privé, c'est qu'on pas besoin perdre du temps. Donc, vous besoin de checker confiance. Question qu'a posé aux amis. Est-ce que vous croyez que prier ou gagner devant bon Dieu, li rive dans oreille bon Dieu et que bon Dieu tendel et que bon Dieu a bon une réponse. Ou du moins bon Dieu a exaucé prière. Est-ce que vous croyez ça? Parce que si vous ne croyez pas ça, vous avez du temps. Vous avez besoin de croire que prier, vous arrivez côté Seigneur. Et Seigneur attendait prier et que la réponde. Parce que c'est avec la foi pour nous avancer vers mon Dieu. C'est avec qui ça? Avec confiance pour nous avancer vers mon Dieu. Mais il y a un verset qui est vraiment important. C'est verset 25. Il dit, laisse nous camper pour la prière. Si nous gagnons mon âme, nous pardonnez pour papa nous qui est dans le ciel là. Pardonne péché nous yo tout. Donc là son l'autre bagage qui très important. Si vous son monde qui a prié bon Dieu, qui a demandé bon Dieu pour le fort grâce, pour le pardonner péché ou bien pour les deux dans situation, question vous posez tête tout, est-ce que pas quelqu'un monde sous cœur? Est-ce que pas quelqu'un monde sous cœur? Parce que meilleure façon pour prier bon Dieu, c'est là que vous débarrassez cœur de tout monde qui est capable de gagner sous cœur. Si vous monde fait un kicho, faut qu'on apprenne pardonner monde parce que c'est meilleure façon de parler devant bon Dieu pour qu'on ait qu'on pas gagner haine dans cœur contre personne. Donc cœur clean, cœur propre ou bon cœur qui sincère, ou pas gagner haïssement, ou pas gagner jalousie, ou pas gagner monde qu'on kembe sous cœur, ni pas gagner quelqu'un monde qu'on t'a voulu venger de yo, ni pas gagner quelqu'un monde qu'on t'a voulu malheur arriver yo parce que yo t'ai fait un bagage. Pardonner mon qui faut qui choye. Donc ça c'est le deuxième aspect que nous besoin examiner les que nous avons rapproché nous devant Dieu. Ça veut dire puis bonne façon pour nous aller prier mon Dieu, faut qu'on examine cœur, faut qu'on pas douter, faut qu'on ait confiance dans mon Dieu qu'on va parler avec lui, qu'on va demander, qu'on va demander là. Et puis tout faut qu'on pas gagne monde sous cœur. Ça veut dire sous son monde qui gagne monde sous cœur, faut aller débarrasser cœur de monde ça de façon à ce que cœur prêt pour recevoir bénédiction mon Dieu et grâce mon Dieu. Donc ça veut dire que les gens qui prient mon Dieu, qui demandent oh mon Dieu pardonne-lui pendant que lui-même les gens que le papa pardonne. Ok, il y a souvent mon partage ça. T'es qu'on s'en met qui t'es doué yon monde et d'être là t'es wow les pas capables. Donc l'état côté mon a demandé mon a pour faire le grâce et que mon a t'es dit le roi besoin payer. On dit par exemple de $50 comme ça. Et puis il dit on a besoin payer bon fort grâce on met aller. Et puis monde ça tout est bon monde qui te doué le petit que $50 on dit dollars on $5 et puis li kembe moun nan gagan li di moun nan wa bon problème fort bon problème moun nan mande le pitié li pa gen pitié pour moun nan yo vin rele met premier monde qui te fait le grâce là l'autre monde qui connaît ça et puis yo dit mais ça zanmi côté fait grâce là fait on a moun ça retourner li dit gardez moi même des fort grâce on va gen courage pour faire grâce ça pour montrer que en pile fois nous besoin grâce. Nous avons besoin de nous faire nos faveurs pendant que temps nous pas faire faveur. Nous avons besoin de bon Dieu faire nos faveurs pendant ce temps nous pas faire mon faveur. Amen. Donc, bon notre écriture pour aider nous comprendre la meilleure façon que nous capable prier. Bra li pour nous c'est dans Jacques chapitre 1er verset 5 et verset 5 et 6. Jacques chapitre 1er verset 5 et 6. Qu'il a dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc ça veut dire bon Dieu clair dans l'écriture ça et dans Jacques chapitre 1er, Jacques 1er verset 5 et 6, il aide nous comprendre que si on a prié, il cap demander bon Dieu sagesse et puis il dit l'a demandé ça bon Dieu tout prêt à bas sagesse,
Les gens demandent, bon Dieu, il y a un bagage, soit sagesse ou bien l'autre bagage. C'est pour nous demander, sans ne pas douter, sans ne pas douter, qu'on y a là. Qui sa confiance y est, qui sa la foi y est, qu'on y a là, ou à chercher qu'on est, qui sa la foi y est. Eh bien, la foi, c'est une ferme assurance. Ça veut dire, lorsque la foi, on va douter. Parler de ferme conviction. Ça veut dire, où qu'on est bon Dieu là, où qu'on est là, prier l'étendre, où qu'on est bon Dieu, son bon Dieu d'amour, où qu'on est bon Dieu, à bas où yon réponse. On va douter de ça. Donc, pour que les gens qui disent, tant d'accord, prier bon Dieu là, et puis, pas va faire un coup, et bien, bon Dieu, pas de vous, non? Donc, si vous croyez dans ça, vous nous a dit, et bien, on prend un piège Satan, parce que c'est Satan qui vous souffre, pour faire croire que bon Dieu, pas de vous, ou du moins, pour faire croire que bon Dieu, pas existé. Si bon Dieu existe, t'attends de vous. Donc, pas douter, connaît que bon Dieu là, il existe, et que l'on rapproche de lui, ou rapproche avec un cœur qui est sincère, ou rapproche de lui avec confiance, ou ferme assurance, ou conviction qui ferme, et puis, ou bien patience pour t'en pas un problème, on pas inquiété pour ça bon Dieu pour le faire pour. M'pas gain doute que si foi yo gain problème Seigneur a préparé, il faut confiant. Si caillou gain problème difficulté caillou pas inquiété bon Dieu a bon puis bon demeure parce que bon Dieu lui-même lui dit qu'on ça l'a préparé en place pour nous-mêmes dans ciel là. Donc sous terre pas inquiété parce que bon Dieu qui t'a ba nous la terre comme demeure non. Mais si on monde gain difficulté loyer bon Dieu a ba ou parce que bon Dieu toujours fait préparation pour petit. Mais est-ce qu'on fait la confiance? Mais lorsque vous confiance en mon Dieu, en peu le monde capable de faire des bagailles qui vous fait ou douter en même. Mais on pas besoin de douter non, pas peur, pas gain qui sauter, tranquille, ou besoin d'un cœur qui tranquille. Là Jésus-Christ est levé dans bas là pour te calmer tempête là pour monsieur yo, il te dit au côté la foi, non. Ça veut dire côté confiance nous dans mon Dieu ya. Il dit au côté la foi non. Ça veut dire côté confiance nous dans mon Dieu. Est-ce que nous croyons que mon Dieu a fait pour nous? Donc ça veut dire les nous relé moi-même, c'est parce que moi là. Bon, même elle n'est pas là. Est-ce que nous connaissons que bon Dieu est capable de faire pour nous et que nous avons le Seigneur au secours et puis il va calmer la tempête là pour nous? Je ne connais pas si la vie ou la tempête là-dedans. Je ne connais pas si madame ou petit ou loin. Je ne connais pas si ou avez envie de bébé pour vous gagner. Je ne connais pas si ou avez difficulté pour dormir dans la nuit. Je ne connais pas si ou avez un problème économique. Je ne connais pas si ou avez un problème de tracassement. Je ne connais pas comme ça. Mais ou même, ou comme ça qui a passé dans la vie ou là, je me dis que la solution n'est pas loin. Li dans confiance qu'on besoin placer dans bon Dieu ya, et que bon Dieu a porté solution pour même. Donc si la foi nous pas éprouvé, si la foi nous pas éprouvé, nous pas connaître si nous gain la foi. C'est surtout les problèmes qui viennent, ça permet que nous connaît nos bon foi dans bon Dieu et que bon Dieu li tande prière nous les nous prier. Amen, amen. Bon Dieu bénis nous, rendez nous merci parce que nous suivons nous juste arrivé là. Bon font rappel pour nous. Je dis à te venir montrer nous qui meilleure façon pour nous prier. Meilleure façon pour nous prier c'est que l'un a rapproché nous de bon Dieu. Il dit quel que soit ça nous gagne, il dit pour nous rapprocher nous avec des prières et des supplications. OK? Et puis pour nous pas douter. Devine expliquer nous que pas de douter. Petit message là c'est puis bonne façon pour nous rapprocher nous de bon Dieu. C'est confiance, confiance, confiance. OK? Puis bonne façon c'est confiance. Deuxième bagage que nous pas ajouter dans ça c'est vérifier est-ce que nous propres, est-ce que nous purs, est-ce que nous sincères dans la demande que nous avons fait à bon Dieu. Et c'est pas un monde sous cœur. Donc c'est ça que nous partageons. Écriture que nous partageons ensemble avec vous, nous trouvons dans Matthieu, chapitre 21, verset 22. Ensuite, nous délivrons dans le livre Marc, chapitre 11, verset 22 à 25. Ensuite, nous délivrons Jacques, chapitre 1, verset 5, 6 et 7. Bon Dieu béni, passez une très bonne journée. Qu'est-ce que j'en parle? Pas oublier, toujours partager l'émission par là. Nous sommes ces gens, on est le cristal, les frères, les amis. Nous sommes là pour nous partager un bon tasse café chaud ensemble avec vous. Permettre plus de nous capables de bénir. Tenez bien, vous avez des situations où nous sommes capables de bénir. Son émission tasse café matinal, lui qui va aller pour prendre une bonne décision dans la ville et qui va changer la ville. Pas qu'une belle émission pour nous. Partagez-le. Bon Dieu va bénir et bon Dieu va bénir les oreilles de notre monde qui vient pour tenter et qui vient pour prendre des décisions pour prier avec confiance. Avec une ferme assurance. Pas oublier, les amis, mieux que slogan, non? Bon Dieu bon, il pape suspend bon. Bon Dieu remet nous, il pape suspend remet nous. Mettez bon Dieu en premier, c'était vrai. Jean-Onel Restal, ciao, ciao. N'allez, à la prochaine pour notre tasse café matinale.